Merci. Je voudrais demander à l'assistant d'observer une minute de silence pour les nombreux camarades qu'on a perdus lors de nos manifestations. Aujourd'hui, nous sommes en train, nous avons commencé d'exercer notre droit de manifester sans être tué, sans être arrêté et emprisonné avant d'être jugé et condamné arbitrairement, sans être frappé. C'est parce que beaucoup ont accepté de sacrifier pour que les Guinéens puissent exercer ce droit de la Constitution de notre pays. Je souhaite encourager les forces de l'ordre à continuer à jouer le jeu, à être plus républicaine, à se soucier de la sécurité des participants à nos manifestations et de ne plus exécuter les instructions qu'ils recevaient dans le passé, de réprimer dans le sang les manifestations qui n'étaient, comme je l'ai dit, que l'exercice d'un droit constitutionnel par des citoyens guinéens. Je voudrais donc qu'on pense à eux, ils sont au nombre de 80, enterrés au cimetière de Bambédo dans le carré qu'on a réservé aux victimes d'Alpha Condé. On peut penser à Zakaria, mais il faut penser aussi à Sayon Camara, une femme qui était en grossesse. Il y a un an, elle a été abattue. Dans les mêmes circonstances, elle n'a pas eu droit à la justice. Il faut penser à nos compatriotes morts il y a quelques jours à Poké. Nous craignons que ceux-ci, comme ceux qu'on vient de citer, ne puissent pas aussi avoir droit à la justice. Parce que M. Alpha Condé n'a jamais eu à cœur de sanctionner ceux qui font usage de leur arme à feu dans le cadre de manifestations. Jusqu'à présent, il a accordé une impunité totale à ceux qui ont tué ces manifestations. Souvenez-vous des gens de Zogota, des gens, des sages du district, les responsables. Le responsable de l'équipe de Zogota, à 1h du matin, ils ont été égorgés parce que simplement ils ont voulu manifester. Vous avez entendu parler de justice pour eux? Non. C'est devenu dans les mœurs, dans les traditions de ce régime, de ne pas se soucier de la justice pour les citoyens. Je voudrais donc vous demander tous. Pour tous ceux-ci, tous ceux qui ont été tués arbitrairement, ceux qui ont été arrachés sans avoir eu droit à la justice, à l'affection de leur famille, à l'affection de notre peuple, qu'on observe une minute de silence. Je vous remercie, je commençais mon propos
par vous remercier et vous féliciter, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas facile de marcher 20 km, 25 km pour exprimer sa frustration, pour demander plus de justice, plus d'emploi, plus d'électricité pour son peuple. D'ici Kosa, c'est 10 km. J'ai vu des jeunes, des femmes marcher aux côtés de ma voiture, de Kosa jusqu'ici, silencieux, sans se désaltérer. Parce qu'ils sont conscients qu'avec ce régime, on ne peut rien obtenir, même pas l'application de la Constitution ou des lois de la République, sans qu'on manifeste. Les Ivoiriens, je l'ai dit, n'ont pas eu besoin de marcher et de manifester pour obtenir l'organisation à bonne date des élections législatives, des élections locales. Les Sénégalais, la même chose. Les Nigériens, la même chose. Les Maliens, la même situation sécuritaire. Nous avons organisé les élections. Nous, pour obtenir les élections législatives, on a marché pendant 3 ans pour obtenir une mascarade électorale où nos suffrages ont été volés au profit du parti au pouvoir. Depuis 2011, on se bat pour obtenir des élections locales. Malgré tous les accords politiques, qui sont au nombre de 4 ou 5, M. Alpha Condé s'est chaque fois dérobé à son devoir de respecter notre constitution, de respecter les accords politiques. Mais qu'a-t-on fait à Dieu pour nous donner des dirigeants comme ça, qui n'ont aucun souci de respecter la Constitution, alors qu'ils ont juré de la respecter et de la faire respecter. Il faut que les Guinéens marchent, il faut qu'on les tue pour que ce texte fondamental soit respecté par le président de la République qui a prêté le serment, qui a juré de le faire sans aucune contrainte. Il n'a aucun respect pour son serment. Il n'a aucun respect pour les accords politiques. Il n'a aucun respect pour la Constitution, notre loi fondamentale. Mais il faut qu'on reste déterminé parce qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas laisser ce monsieur continuer à violer nos droits, à violer notre loi fondamentale, à violer les accords politiques. Qu'a-t-on fait à Dieu pour avoir à la tête de notre pays des gens qui n'ont aucun sens de l'honneur, du respect de la parole donnée? Nous sommes obligés de nous battre, de suer, en marchant sur 20, 30 km pour obtenir le respect d'une disposition de la Constitution. On n'aime pas la paix pour le peuple. Restez tranquille, laissez ce monsieur continuer à favoriser l'enrichissement de ce clan à travers les intérêts que nous avons dénoncé. Aujourd'hui, ça enrichit dans le peuple de souffre. Les citoyens de Poké n'ont pas d'électricité, les jeunes n'ont pas d'emploi, ils s'en foutent, ils sont en train de s'enrichir. Notre peuple souffre. Je le sais, beaucoup qui n'ont pas trouvé le petit déjeuner, qui n'ont pas d'emploi, des gens qui ont fini leurs études, il n'y a pas de souci. Si M. Alpha Condé avait le souci de l'emploi des jeunes, il n'aurait pas opté pour l'exportation de notre force à l'état brut. Il aurait fait comme le gouvernement indonésien, dire qu'on va transformer au moins la moitié de notre production de brut sur place, ce qui aurait généré près de 100 000 emplois pour notre jeunesse. Mais ce qui les intéresse, c'est l'argent, dans l'urgence, de s'enrichir le clan, alors que notre peuple continue de croupir dans la misère. Est-ce que nous allons continuer à accepter ça? Mes prédécesseurs l'ont dit, cette richesse est notre bauxite, elle nous appartient tous. On devrait faire comme le gouvernement responsable, chercher à faire une exploitation judicieuse qui concourt à l'enrichissement de notre pays et surtout à la création d'emplois pour notre jeunesse. Vous êtes là, vous n'avez pas d'emploi. Mais combien de...